La 40e édition qui aurait dû se tenir l'été dernier, elle était vouée à une espèce de regard à la fois vers le passé et vers le futur, les deux en même temps. C'était le voir et revoir que j'avais essayé de mettre en œuvre. Quand on a compris que cette édition n'aurait pas lieu de toute façon, il fallait trouver une solution. La solution, c'était reporter tout ou partie du programme dans les salles de la ville, facilité par le fait qu'on entretient avec la plupart des directeurs de théâtre de cette ville des très bonnes relations, donc qui ont mis très rapidement à notre disposition un certain nombre de lieux. Et ensuite, il ne restait plus d'une certaine manière qu'à rappeler toutes les compagnies pour leur demander de s'intégrer aux dates qu'on leur proposait, un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Résultat des courses, il en est resté 75% de la programmation, 25% de la programmation est reportée à l'autre été, celui de 2021. Quand on crée une pièce, on y va avec des questions artistiques. On trouve des réponses, on trouve comment régler ou répondre à certains problèmes artistiques. Mais du coup, il y en a des nouveaux qui se posent. Et la pièce suivante va être une tentative de réponse justement à ces nouvelles questions. Donc Wilder Shores, c'est aussi une tentative de réponse aux questions qui n'ont pas été résolues dans Atlas. Quand je démarre une création, je n'ai pas une idée à quoi ça va ressembler. Ce n'est pas que j'ai une idée qui est claire et après ça change. Je commence vraiment avec pas grand-chose et ça se développe au fur et à mesure. Donc je découvre la pièce moi-même pendant qu'elle se crée. Donc ce n'est pas qu'elle a changé, elle s'est créée. Each project always starts with a conversation. From the conversation, there's always a very simple proposition put in place. For Love Train, the proposition was you have 14 dancers who have each been invited to a high-class event, to a red carpet event, let's say. So that already instills a sense of grandeur, a sense of perhaps a voluptuousness of tissue, perhaps showing of skin, etc., etc. Il fallait vraiment insister parce que sur trois reprises, on a recalé tout. Date de répétition, on a pris les voyages, les hébergements, on a dû réannuler, recaler tout, réannuler. Et c'était une période pas évidente et pour les danseurs et pour nous, pour que ça ne s'arrête pas et pour tenir l'espoir que oui, on va arriver, ça va se faire. Dans ce contexte, c'était très satisfaisant, on était juste super contents tous d'avoir pu le faire. On a changé parce que c'était censé être au Corum et après on l'a fait finalement à l'Opéra Comédie. Le contexte à l'Opéra Comédie, c'est super. Le théâtre, le plateau, c'est s'y prêtait super pour cette création aussi. On était juste très contents, je pense, très heureux de pouvoir arriver au bout de cette aventure.